Salut à tous, aujourd'hui je me suis rendu compte qu'on avait tous quelque chose de Gilbert chez nous. Regardez mon armoire à pharmacie avec tous ces produits made in Normandie, fabriqués chez les laboratoires Gilbert à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen. Allez, le temps d'enfiler une marinière et je vous emmène bosser chez eux. Salut Jerry, bienvenue en Normandie. Bonjour Cédric, je vous présente Cédric Batteur, le PDG des laboratoires Gilbert. Alors Cédric, moi je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup tes produits au quotidien. Par contre, présente-moi un peu le laboratoire Gilbert, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Écoute, la vocation des laboratoires Gilbert, c'est de donner les moyens à chacun de prendre sa santé en main. Comment ? Donc ici, au laboratoire, on conçoit, on développe, on produit et on distribue des solutions de santé pour accompagner les familles dans leur quotidien. Donc cette activité, elle s'articule autour de trois axes principaux. Lesquels ? L'univers du bébé, la médication familiale et naturelle et la cosmétique et l'hygiène. Ok, et quels sont vos chiffres clés aujourd'hui ? Les chiffres clés, c'est plus de 1000 collaborateurs, wow. 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, un produit vendu tous les 4 secondes, okay. Et étant spécialisé dans le domaine de l'enfance, on enregistre près de 80 naissances par an. Félicitations. Merci. Et une entreprise engagée donc, tu le disais ? Et une entreprise engagée, bien évidemment, conformément à nos valeurs, on développe des produits qui se doivent d'être à des hauts niveaux d'exigence concernant leur innocuité, leur sécurité et leur qualité, bien évidemment. Un engagement fort également dans notre culture vis-à-vis des collaborateurs avec différents services et différents accompagnements qu'on peut leur proposer, tels que les crèches d'entreprise, une salle de sport, services de conciergerie, restaurants, etc. Et des engagements également au niveau, on va dire, social et humanitaire avec différentes opérations de mécénat, avec notamment un collège en Afrique, des actions également auprès des plus démunis. Une entreprise qui rayonne, quoi, à l'international. Également, ouais. Okay. Aujourd'hui, c'est un tiers du chiffre d'affaires fait à l'international avec l'ambition d'atteindre les 50% de chiffre d'affaires à l'international. Voilà. Bah, félicitations. Et une entreprise familiale, c'est ça ? Eh oui, je suis la troisième génération de la famille Batteur à tenir les rênes de l'entreprise. Wow, une belle aventure alors. Et normande en plus. On est très attaché à nos racines normandes. Tiens, Jerry, regarde un petit peu la beauté de nos plages. Wow. Et on est à 20 minutes de l'entreprise. Waouh. Tiens d'ailleurs, je te présente mon père. Bonjour. Tu veux nous rejoindre ? Non, non, je t'ai confié les rênes de l'entreprise. Je te fais confiance. À toi de jouer. Bon, sympa. Et je vois que tu fais beaucoup la une en ce moment. Quelles sont tes actualités ? Bah, les actualités, ici, tu es dans un site dans lequel on a investi 30 millions d'euros pour accroître nos capacités de production. Et ça s'inscrit dans un plan qui est entamé depuis maintenant 10 ans, pour lequel on a investi sur le parc industriel près de 100 millions d'euros. Waouh ! Et comment tu vois les laboratoires à Gilbert dans 10 ans ? Bah, les défis pour les laboratoires Gilbert dans 10 ans, ce sera d'investir une nouvelle catégorie thérapeutique, et donc amplifier toujours et encore notre innovation sur une base de naturalité et d'ingrédients naturels, d'investir aussi d'autres territoires géographiques avec un laboratoire que moi je souhaite résolument tourner vers l'international. Et enfin et surtout, notre enjeu d'industriel est de pouvoir produire propre, donc avec une démarche éco-responsable à tous les niveaux de l'entreprise. Ok. Et si je veux bosser chez toi, parce que j'ai vu que tu recrutais beaucoup en ce moment, quel profil tu recherches ? Alors, il faut savoir qu'au laboratoire Gilbert, laboratoire pharmaceutique, il n'y a pas que des blouses blanches. Donc bien évidemment, nous recherchons des profils scientifiques dédiés à la R&D, à la qualité et au laboratoire de contrôle. Également des profils industriels, des techniciens, des conducteurs de ligne, des techniciens de maintenance et également des services support, donc marketing, administratif, réglementaire et commerciaux. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Exactement, sachant qu'ici, on intègre à peu près 180 profils de poste différents. Okay. Combien de recrutements chaque année, en moyenne ? On est en moyenne sur une centaine de recrutements par an. Waouh ! Quelles sont les trois qualités et trois valeurs que tu partages, que tu recherches chez tes équipes ? Alors, les trois valeurs, la première, ce serait la valeur, le sens de l'équipe, le sens du collectif, l'engagement ensuite. Mutuel. L'engagement mutuel. Et la troisième, c'est l'agilité. Savoir s'adapter, savoir être souple, tout en restant stable. Toi, Jerry, t'es agile ? Merci. C'est quand tu veux à quand. Naturel, évidemment. Bac plus 6, mais le plus important, c'est la motivation. 100% familial. Depuis 115 ans. Bon, ça y est Cédric, le produit est prêt à partir ? Ça y est Jerry, le produit est prêt à partir, soit à l'international, soit à la pharmacie du coin. Jerry, je pense que la meilleure façon d'appréhender l'ensemble de nos métiers, c'est d'aller au contact directement avec les équipes.
puis à carte blanche. Ah bah écoute, mission acceptée, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir en immersion l'un de leurs nombreux métiers qui, à mon avis, va vous correspondre. N'hésitez pas dès maintenant à postuler pour rejoindre l'équipe. Et je suis sûr que vous aussi, vous avez quelque chose de Gilbert chez vous. Cédric, vous faites aussi des frites ici? Non, Jerry, que des produits de santé dans le respect de la physiologie.